Et bonjour à tous, c'est le Didi pour une nouvelle vidéo pour le. Alors je me rappelle plus, je crois que c'est le 13e épisode de mon aventure suivie, hein. Je ne sais même plus, ou 14, ou 12, en fait on s'en fout. Et nous sommes en 12W39A, une snapshot qui corrige surtout et essentiellement les bugs. Oh putain, j'aime pas la pluie, ça me fait un peu ramer, je trouve. Les bugs de lumière. Je vais quand même. Voilà, me mettre dans le lit pour faire passer la pluie. Mais qui rajoute, avec les anciennes versions, des. Je croyais que la pluie disparaissait. Oh! Ah, quand même. Qui rajoute des sorcières, des chauves-souris. Enfin, il me semble. Hein. Peut-être que je peux me tromper. Donc, je sais pas du tout comment ça apparaît. Mais la chose dont je me préoccupe le plus pour l'instant. C'est la nourriture. Ah oui, ah oui. Ah d'accord. Faut faire clic droit sur les coins pour enlever ces bugs de lumière tout moisi. Ok, clic droit, clic gauche, ça marche aussi. Hop, 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 on nettoie tout ça. Joli bug de lumière, n'empêche. Oh là oui. Waouh. C'est impressionnant. Bon, alors j'ai que des outils qui s'usent. Alors ce qu'on va faire, on va enlever ça. Ça, voilà. On va récupérer. Oh, une poule. Qu'est-ce qu'elle fait là? On va récupérer ça. On va mettre ça. Voilà, comme ça. Il y a des gros sérieux bugs de lumière. Hein. Donc, apparemment, ils étaient censés corriger les bugs de lumière. Merde. Merde! J'ai détruit des graines. Mais où elles sont passées? Les graines des citrouilles, bon tant pis. On va en faire nous-mêmes. Oh, c'est totalement la fête cette vidéo déjà. Hop, alors, je vous comptais me faire plus de manger que cela. Mais c'est pas grave, j'ai deux blés, je vais pouvoir reproduire mes vaches. Voilà. Reproduisez-vous. C'est bon, reproduite. Hop, adieu. Alors, la texture a changé. Je remarque que la texture du bœuf, du poulet a changé. Bon, ben, ma foi. Il semble qu'ils ont plus de contours noirs. Ouais. Seulement moi, je suis un peu coincé. On est Keblo! Ah, non. Je suis pas coincé. J'ai trouvé une technique de fou. Mais qui fonctionne. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je ne sais pas du tout ce qu'on va faire. C'est ça qui est génial. On va d'abord cuire du bœuf. Je sais pas si deux ça suffira. Est-ce qu'on a de la bouffe ici? Bouffe ici, bouffe là. On va déjà prendre ça. Ah bah tiens, ouais, la texture a changé. Bon, est-ce que ça fait un œuf? Non. Oh, il y a un piggy là-bas. Mais un piggy tout seul. C'est un piggy inutile, sachez-le. Allez hop, troisième steak. Pouti pouti pop pop pop. Oh, vous avez entendu, enfin je sais pas si vous avez entendu, vous avez sûrement entendu le bruit de l'XP qui a changé aussi, c'est une nouveauté ça. Oh, faut que je vous fasse essayer un truc, c'est obligatoire. Il faut que j'essaye moi aussi d'ailleurs par la même occasion. Il me faut pour ça. Je sais pas si vous avez remarqué, enfin deviné plutôt, mais oui, 16 rails, ça coûte cher en lingots quand même. 5, ça suffit. On va se faire un wagon. Parce que maintenant, sachez-le, les mecs! Les mecs! On est au 21e siècle, mince! Les minecarts, ils font du bruit! Enfin, c'est ce que j'avais ouï dire, hein. Les rumeurs ne font pas tout. Et ouais, je me suis gouré. C'est pour ça que je me suis totalement loupé. C'est pas grave, on va enlever ça. On va mettre ça comme ça. Et voilà. Bon, c'est juste un chemin test, hein, ça. Ce sera pas mon chemin de tous les jours.
Je fais n'importe quoi, c'est la fête. Plutôt baisser ça comme ça, hop. Enlever la terre, voilà. Voilà, donc j'ai fait un petit chemin. Oh, lumière moisie. Et bon, bah, tant qu'à faire, hein. Et normalement, on se met dans le minecart et... Oh, ce bruit! Ce bruit de fou! Je sais pas si vous avez entendu. On va augmenter un peu le son. Un peu beaucoup même. Et on se passe dans Minecraft. On avance. Écoutez-moi ça. On se croirait dans des montagnes russes, dis donc. Alors j'imagine que maintenant ça devrait être génial. Un nouveau bruit! Eh bah dis donc, c'est la fête du bruit aujourd'hui, hein. Bon bah on va le laisser quand même. Que de nouveautés, que de surprises. Alors dans mon ancien épisode, j'avais omis de dire qu'on pouvait aussi faire des armures en cuir enchantées. J'ai que 3 cuirs, donc ça va pas le faire. Mais j'ai un arc et une table d'enchantement et un niveau. Vous savez quoi, on est des fous, on va enchanter notre arc. Hop, un niveau power 1, c'est de la... c'est moisi. Et... Ah oui, le bruit a changé radicalement quand on marche. Bah c'est ma foi, ça apporte du nouveau, hein. Pas toujours garder les mêmes vieilleries. Mouton rouge. Oh mince. Oh mince. C'est tout quoi ce bruit? Putain, je crois qu'il y a plein de nouveaux sons. C'est ça. Vous avez entendu? Oui. On va remonter, hein. Mais la vache a fait un nouveau bruit assez... assez concis. Oh! Voilà qu'elle renifle! Là aussi! Oh là là, c'est le festival des bruits! Bah dis donc. Que de nouveautés. Oh là aussi, hop! Non, j'ai tué mon mouton rouge et je vais me tuer aussi! Tout ça pour de la laine. Pour un cube de laine. En tout cas, ça fait un bruit quand on a tondu le mouton, vous avez entendu? Là, il y a du charbon, mais le charbon, on s'en fout royalement. Quoique, en fait, on devrait pas trop vous le dire. Je crois que j'ai plus de diamants que de charbon, alors c'est pour ça que j'en cherchais. Voilà. Là, du charbon. Qui va nous faire en même temps quelques niveaux d'XP. J'avais oublié ça. Ça fait toujours plaisir, hein. Je crois que ça rapporte moins d'XP qu'avant. Ces nouveaux bruits, c'est un peu déstabilisant vu que on s'y fait pas, hein, tout de suite. Oh là, il y a une grosse crevasse là. Vous savez quoi, on est des fous, on saute dans la grosse crevasse. Des bruits assez... Oh, mais où? Où que je me trouve donc? Y aura-t-il des chauves-souris par ici? Minecraft qui devient un jeu horror, survival horror. Trop bien. Bon, on va se faire un ascenseur. Qu'est-ce que c'est que ce gros trou-trou? Je me perds, je m'égare, je suis désolé. 10 minutes de rien, ça commence à être long. Hop, on va remonter vite. Fait, bien fait. Hop, 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 hop. Oh! Mais je connais ce chemin. Bon, bah, ma foi. Il va falloir que je trouve du mouton dans les parages. Oh! Un poulet mort. Non, mon poulet est mort.
Putain, comme elle respire. Eh, attention, hein. Pas de crise de respiration ou je ne sais quoi. Dis donc. C'est perturbant. Bon, on va détruire le blé, voilà. On va replanter. Bon, ça, c'est ma source de survie, hein, le blé. Comme Koh-Lanta avec le riz. Moi, c'est les graines de blé. D'ailleurs, les poulets, maintenant, on peut les reproduire que avec des graines, sauf que je peux plus, vu que mon poulet s'est suicidé. Je sais pas, il en avait peut-être marre de la vie. En tout cas, il commence à faire nuit. Nuit, nuit. C'est pourquoi je vais peut-être me rendre à mon lit. Et là où les biomes avaient changé. Oh, bah dis donc. Encore un nouveau bruit quand on tombe. Faudra vraiment un mouton. Mouton, mouton, mouton. Toujours quand on en cherche, qu'on n'en trouve pas. Hop, hop, attends. Aïe, 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 aïe. Je suis un fou dangereux. Je souffre même pas, c'est la fête. Je fais le fou, mais je souffre même pas. Là, un poulet. Ce bruit. Un œuf. Merci. Alors là-bas, on dirait que c'est radicalement coupé. Je vais me rendre un peu par ici. Oui, c'est ça, souffre. Ah, et maintenant les arbustes, on peut les récupérer. Enfin, je sais pas depuis quand d'ailleurs on peut les faire, hein, déjà depuis la 1.3, mais c'est pas mal. Hein. Ça devient des vaches dépressives. Avant, il faisait ouh, ouh. Mais là, c'est ouh, ouh. C'est dommage. Allez, zou. On est à 12 minutes. Oh, j'ai un freeze. Non, j'ai un freeze. Waouh. Oh, ce bruit. Hop là, on fait un max de viande. Ça sera très. Putain, je rame comme un fou là. Des chauves-souris! Là! Oh, c'est génial ce truc! On a des oiseaux dans Minecraft! Oh! Oh! Oh, alors je viens de passer à la frontière des chunks, comme vous pouvez le voir. C'est pourquoi on a des montagnes totalement coupées. Mais là, je me demande ce qu'on récupère si on tue une chauve. On a vu, ça doit être impossible de la récupérer. Wow! Eh, je l'ai tué, je crois. Oh, je l'ai tué, mais elle a rien loot. Je sais pas si ça loot quelque chose. Je récupère mon. Un village! Putain, les villages. Justement, j'en cherchais. Et je viens d'en trouver! Ouh, bon, il est assez intense cet épisode, hein, quand même. Intense dans le sens où on fait plein de découvertes. Oh. Wouah! Mais on se croirait dans un portal! Là, j'ai une échelle. Ça fait même du bruit. Et là, j'en ai pas. Wow. Il y a vraiment des bugs de fou. Mais quand je parle de bugs, je parle des gros bugs de psychopathe. Attention. Ok. Un émeraude. Je crois que j'ai même pas de. Putain, c'est lag. C'est 17 laines pour un émeraude. T'es marrant, toi. Bande de radins. Je préfère encore faire mes cookies tout seul. Bon, bougez pas. Par contre, bon, désolé, mais toi tu vas crever. Merci. De toute façon, il en reste encore. En tout cas, les chauves-souris nous attaquent. Je sais pas si c'est une arme naturelle ou si seulement on les provoque. Bah tiens, je devrais replanter quand même. Il y a plein de nouveaux bruits, c'est génial. C'est riche en bruits, Minecraft. Notamment, on a des volatiles maintenant. Est-ce qu'il y a des coffres quelque part? Ça, c'est intéressant, les coffres.
On a juste une petite maison, on va récupérer la torche, tout, hein. Une torche, youpi. Bon, je sais pas du tout où est ma maison là, hein. Je suis totalement perdu. Je devrais pas d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Rien du tout. En tout cas, ça me fait une source en blé et en bois. Et en tout ce que vous voulez. En tout cas, j'ai l'impression que ce... On est en quel biome là? Desert Hills. J'ai l'impression que ce biome a été généré avant la 1.3. Alors que normalement non. Puisque normalement les biomes, les villages qui sont dans les biomes déserts, ils sont tous de blanc vêtus. Voilà, je casse même ceux qui sont pas encore atteints à maturité. On s'en fout. Maintenant on va dans les maisons. Ok cool, nul. Ok cool, totalement nul, totalement naze. Là, peut-être un truc intéressant, non? Non, bon, bah, c'est un village de merde. C'est officiel. C'est un village merdique. Peut-être là-bas, je sais pas si j'ai déjà été. Il me semble que oui, hein, donc... Donc y a rien par là. Waouh. Waouh, on se ramâche. Ouh, 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 il a du mal. Oh, il a du mal. J'ai l'impression que Minecraft maintenant, à force d'ajouter des trucs, il devient très ramageant. Oh, une espèce de caverne. À moitié coupée. Oui, je suis en peaceful en plus. Alors, je suis vraiment désolé, hein. Pas fait exprès. Du bois? Non, pas de bois? Dommage. C'est pour ça qu'il y avait. Ah, mais alors les chauves-souris spawn en peaceful du coup. Ah. Je sais pas si c'est très intéressant à savoir. On va se grouiller là, il y a un. Il a changé de tronche lui ou quoi? En tout cas, il y a un nouveau bruit pour les squelettes aussi. Wouah, c'est la farandole du bruit. Bon, on va retourner par là. Ça, je sais pas si j'en ai. Alors, je vais en prendre. Si oui, j'en ai. Mais... Bon, ça peut toujours servir pour faire des livres ou bien. D'ailleurs, là, j'ai sur moi 12 côtelettes. On va refaire un peu de stock. Hein? Tu sers qu'à ça de toute façon. Ouais, t'es une. Ça, ouais. Une espèce de crevasse. Pas très crevasseuse. Creeper. Ok, en deux coups, je l'ai eu. Ah, mais putain, je lui ai tiré dessus là. Ok. Un creeper et je suis mort. Vite, santé, remonte. Plus vite. J'ai pas d'armure sur moi en plus, hein. Oh là là. Je crois qu'on n'a jamais fait une série aussi moisie que celle-là, dans le sens où j'ai rien même après 30 épisodes. Bon, le jour commence à se lever. Oh, ce bruit! J'ai abusé sur les bruits là. Une crevasse avec une chauve-souris. Ah, attendez, excusez-moi. Voilà! J'ai fait une pause de 2 secondes juste pour éternuer. Oh, des chauves-souris. C'est intéressant, hein, ma foi. Alors, je me perds, je me perds, je m'égare. La maison est par là. Même pas. Tu m'attaques, toi? Oh putain, elle m'attaque!
Mais dis donc. Tous ces zombies, ça ressemble à un donjon. On va aller voir, hein. Où sont-ils? Ils sont à gauche et à droite en même temps. Ah. Y a un Piggy! Non, c'est juste une salmoisie. Du coup, Piggy, il est où, Piggy? T'es où, Piggy? Je t'entends. T'es là. Quoi, je peux plus ramasser? Oh. Ce bruit de malade. Creeper. Est-ce que j'ai... Non, je peux pas. J'ai failli me sauter dans le vide. Là, ce qu'on va faire, c'est que toi, on va te prendre. On va te mettre dans ce trou-trou. Allez. Dans ce trou. Je me rends pas... Je me rends chèvre. Allez, dans le trou. Et on va tenter de retourner à la maison. C'est pas gagné, hein. Petit sprint. On a de quoi à manger, en tout cas on a fait le stock 21 de côte de bœuf là. Et 3 côtes de porc. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Par contre là, je sais pas du tout où je suis. Ça m'attriste un peu. Oui. Je sais même pas par où je suis parti. Ok, j'en suis totalement perdu. Génial. Bon, sinon je reverrai la vidéo et dans le prochain épisode, je ferai demi-tour. Ouf. Il y en a des moutons. Ça veut quoi? On est des fifous. J'espère qu'il n'y aura pas de chauve-souris. Pile le bon nombre. Bon, par contre, je sais plus du tout où je suis. Mais Izzy va-t-il retrouver sa demeure? Izzy va-t-il se faire manger par une centaine de zombies? Izzy va-t-il survivre ou pas, ou mourir dans d'atroces souffrances dans ce monde totalement inconnu? Vous le saurez dans le prochain épisode. Ah oui, ça c'est du teasing de fou. Ah mais oui, hein, attention, hein. Bref, c'était Lizzy pour un nouvel épisode, je sais même plus lequel, on s'en fout, de mon aventure suivie, là-bas il y a de la neige. Ouais, je sais, on s'en fout. Eh ben, je vous dis bye bye, et bah ciao, bonsoir.